Salut, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AMS2. AMS2 qui vient depuis une journée ou deux de sortir une mise à jour assez importante. Il y a pas mal de correctifs et je vais pas vous mettre le change complet puisqu'il n'y a pas non plus trop de choses intéressantes entre guillemets, en termes de contenu. Les trois choses que j'ai retenues, donc c'est la voiture qu'on va regarder tout de suite, le circuit et enfin une option que tout le monde attendait. On va aller voir ça tout de suite dans le jeu parce que c'est vraiment quelque chose que moi aussi j'attendais et beaucoup de monde au niveau de la communauté. C'était quelque chose qui manquait. Donc on va mettre ça là. Voilà. Alors, donc c'est ici. On va aller dans les options. Et ici, dans les commandes, vous allez voir ici, voilà. Pré-réglage des contrôles utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qui manquait. Et enfin, on l'a. Donc qu'est-ce que ça permet tout simplement? Je crois que ça permet d'enregistrer 5 ou 6. On va regarder. 6, je crois. Preset. Donc vous mettez le nom ici, hop, vous mettez le nom. Alors moi j'ai mis roue ronde ici parce que je vais rouler avec ma roue standard. Si vous avez une roue F1 ou DTM, ça vous permet de mettre directement les pré-réglages. Et ça c'est vraiment quelque chose. Enfin, je ne suis pas programmeur, je ne sais pas si ça demande énormément de boulot, mais effectivement ça permet à la volée de changer de matériel. Donc là voilà, ça c'est une chose, c'est l'option la plus significative en tout cas en termes de réglages. Après tout le reste c'est des correctifs au niveau de l'IA, au niveau des véhicules, au niveau des circuits. Voilà, on va se passer directement ici au menu course et on va aller voir, hop, la voiture, la voici. Donc attention à la catégorie, c'est la toute dernière GT classique, catégorie qui vient d'être créée donc justement pour l'occasion pour cette Porsche 911 RSR 74 3.0. Donc elle a 330 chevaux en puissance et un poids de 980 kg. Donc le couple, vous voyez, 314 Nm, vous allez voir que c'est assez compliqué. Je pense que vous la connaissez, hein, elle est sortie sur Assetto Corsa, sur Restroom, excellente sur Restroom. Après, je pense pas qu'elle soit sur RF2 et puis sur les autres, n'en parlons même pas, certainement Automobilista 1. Donc, on va aller voir au niveau des livrets, comme d'habitude, il y a pas mal de choix. Seul petit souci, effectivement, comme d'habitude avec AMS, c'est du standard, il n'y a pas trop de sponsors. Voilà, c'est vraiment des peintures. Standard au niveau du chrome, voilà, on va regarder un peu ce que ça donne. Encore une fois, la voiture est vraiment très bien faite. Je vous laisse en juger. On va aller voir ensuite sur la piste une petite course de 10 tours pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est du sport. J'ai remis la boîte en H, vous allez voir un petit peu. C'est vraiment compliqué, mais on prend du plaisir à travailler la voiture, à essayer de la corriger. Voilà, avec les élargisseurs d'ailes, voilà, c'est vraiment une grosse mémère et ça se ressent au niveau, eh bien, de la conduite. On va aller voir maintenant au niveau du dernier contenu, c'est le circuit Salvador Street Circuit au Brésil. Donc il n'y a qu'une seule itération, il n'y a pas d'autre tracé, circuit urbain que je ne connaissais pas, visiblement qui était sur AMS1, qui est dispo également sur comment dirais-je, Assetto Corsa, premier du nom. Après j'ai pas regardé sur RF2, mais voilà, c'est un circuit assez atypique, assez original entre guillemets, et c'est vraiment la force de Raiza. Maintenant je crois qu'il n'y a plus de course actuellement dessus. J'ai regardé hein, parce que je voulais vous faire un onboard dessus. J'ai regardé si c'était possible. Ou c'est des vidéos qui datent d'il y a 7-8 ans. J'ai vraiment eu du mal à trouver déjà des images. Alors un onboard, c'est même pas la peine. Donc vous dire si le circuit est bien modélisé, bien fait, ça je vous laisse le juge. Moi personnellement, j'ai pas réussi à trouver vraiment de choses dessus. Donc voilà, on va faire confiance à Reza pour la modélisation. Nous, ce qu'on va faire, on va se retrouver donc pour 10 tours directement in-game. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour 10 tours sur ce combo très compliqué. On est donc 11e sur le départ. Ah, il me laisse pas passer déjà lui. C'est une voiture compliquée, pourquoi? Parce qu'il y a un énorme poids, rapport poids-puissance, je vais y arriver. Suspension très souple, ça sautille pas mal, ça s'ouvre énormément. Et l'IA a décidé de ne pas se laisser faire. Allez, ici on essaye de la placer, on glisse. Ah, ferme la porte, monsieur, c'est pas bien. Ah, ici je me fais emporter.
Alors il faut soulager l'accélérateur si on veut replacer la voiture. Circuit que je ne connaissais pas. Essayer d'aller chercher, on est sixième. Vous voyez, elle s'en va tranquillement. Voilà. Ils sont pas de cadeaux. Ouais, je vais un peu fermer la porte. Ah, décolle-toi de là. Trop large ici, allez. Avec des rétros vraiment minuscules. Allez, on est pas mal. Oula, mes mères, elle se laisse embarquer, hein, parce que franchement, avec le poids qu'elle fait, le cul veut souvent nous dépasser. Au niveau setup, j'ai fait le strict minimum. Ah, il est toujours là.
pareil, le FFB que je trouve vraiment bon. On a vraiment beaucoup de sensations, beaucoup de retours d'infos. Encore du contenu de qualité, franchement. Freiner un peu tard. Ouais, faut constamment la rattraper, hein, vous voyez. Bon, derrière j'ai lâché, maintenant on va s'attaquer au trio de tête, je suis quatrième. Moi c'est les bagnoles qui permettent de jouer un petit peu avec la boîte en H parce que c'est vrai que ça se fait pas souvent. TH8, c'est pas la plus précise des boîtes. Ouh là 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 là. Allez, il va me rester deux tours pour les rattraper. Ça se touche. C'est Bibi qui va en profiter. Alors les sons encore une fois sont très bons, mais pour moi ça ne va pas durer ce room. Allez, ici peut-être. Un petit peu en perdition là. Allez, on va se faire l'inté ici peut-être. Ouais, il se laisse pas faire, hein.
Ouais, ça touche. Oh, c'était chaud. Allez, ça va être le dernier tour. Non, ça va être compliqué. Ah, c'est du sport. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la voiture si vous l'avez testée. Ça va être chaud. Il est où, il est où? Ouais, je suis un peu large là. Je suis un peu large, je crois que je finis deuxième quand même. Ouf. Eh ben, c'était pas simple. Faut vraiment se rester concentré. La voiture qui est très lourde. Aucune chance si on laisse trop aller. Voilà, bah moi je vais vous laisser là-dessus, sur tour de refroidissement actif comme ils l'appellent. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Et moi je vous dis une bonne journée, à une prochaine. Tchuss.